Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 21h14 et avant de passer sur les deux starlettes de la soirée que sont Pierre Orca et KB, j'ai une question à vous poser. C'est quoi ce délire de Riri Miaou là? C'est-à-dire que moi j'existe tranquillement, tu vois, sur les réseaux. Non, tranquillement, c'est peut-être un peu mentir. Mais on va dire que j'existe, tu vois, sur les réseaux. Et je tombe sur des trucs et je fais ah, mais bien sûr, si tu veux. Donc, du coup, je vais vous présenter une espèce de concept, ma foi, saugrenu. Non, je déconne. Rimiaou, du coup, pour un tout petit peu de présentation avant de vous confronter aux images, comment ça s'appelle, qu'on va se mater vite fait. C'est une VTubeuse qui, visiblement, tu vois, il y a des gens, ils disent que je suis problématique. Putain, je t'assure que je suis rien comparé à ça. Oh, bordel de merde! Donc, du coup, je me suis permis, comment ça s'appelle, de poster sur Twitter. Bonjour! C'est quoi ça? Alors déjà, bon, le comment s'appelle? L'avatar, c'est quelque chose. Mais peut-être que, comment s'appelle? Les dires vont rattraper. Bah, comment s'appelle? Bah, là, le. Ce qu'on voit? Non, pas du tout, pas du tout. J'essaye de me rassurer, mais moi, comme je connais la suite, c'est compliqué. Comment dire, juste après le clip où Putain, mais tu peux pas avoir du son, non? C'est pas possible! Comment ça se fait qu'à chaque fois que je regarde une de vos vidéos sur Twitter, je suis obligé de foutre un filtre à plus 12 dB, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment dire, juste après le clip où je parlais d'une aventure LOL, je disais juste... Voilà, donc du coup, la base, c'est elle parle du N-word sur LOL. Ça commence super bien. Que je détestais les gens qui mettaient des drapeaux dans les bios et les trucs comme ça. Et ben c'est que des gens comme ça qui ont répondu et vu le tweet. Donc du coup, si vous avez un drapeau dans votre bio, c'est fouloulou, voilà. Et tous les messages, c'est genre du coup des gens qui me disent des trucs, des... Ouais, il y a plein de gens, ils disent je suis Hitler. Et du coup, je comprends pas le rapport. Alors là, si je me souviens bien, il va y avoir un gain de volume assez conséquent. Donc je vais me permettre de baisser un tout petit peu. Hein? Voilà, tac. Si, j'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais avoir une moustache! Ouais, t'as bien compris. Mais là, tu vas me dire non, t'extrapoles. Non, t'inquiète, elle va développer. Parfois, j'aimerais avoir une moustache! Point. Que pour ce genre de personne. J'aimerais avoir une moustache! Et que les gens prennent des douches! Voilà, donc ça c'était pour les 2-3 qui étaient au fond en train de se dire « Non mais elle parle pas forcément de cette moustache. » Voilà, hein, là t'as la confirmation, t'as la moustache et les douches. Pour ce genre de personne, j'aimerais avoir une moustache et que les gens prennent des douches. D'accord. Elle a posté quoi sur son Discord? Oui, bon d'accord, ouais, assez explicite. Tous les gens drapeaux en bio, pronoms dans le pseudo, tous les trucs comme ça qui m'ont trash talk et tout. Et du coup, ça m'a fait très très plaisir parce que c'est exactement le genre de personne que je veux pas dans ma communauté. Quand je vous disais justement avant-hier que je veux pas voir. Et du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à tous les faire me détester. C'est qui cette madame? C'est... Alors, le truc drôle là-dedans, c'est que ça, là, c'est sur Twitch. Alors, moi, je veux bien, hein, je suis un connard, faut me ban et toutes ces conneries, moi, y a pas de souci. J'ai pas envie de faire le... si moi, je suis ban, pourquoi elle non, tu vois? Mais plutôt, enfin, on peut dire ça maintenant sur Twitch? J'étais pas au courant, moi. J'étais pas au courant. C'est quoi ça? J'ai pas compris la moustache. J'aimerais avoir une moustache, c'est en mode j'aimerais être Adolphe, tu vois. J'aimerais que les gens ils prennent des douches. Tu vois ce que ça veut dire, quoi. C'est assez explicite, quoi. Les douches et Hitler, ça te fait penser à rien du tout. Mais c'est la gamine de Lilith et Psycho. Ah ouais, carrément. C'est quoi ça? Ça, c'est Rimiaou. C'est très. Ouais, on peut penser à Eva Lyon, celle qui était passée dans SLG. Qui faisait un gâteau d'anniversaire pour Adolphe. Ah oui, il y a un peu de ça. C'était sur Twitch, mais bien sûr que c'est sur Twitch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a changé le VTubing. Ah ouais, ouais. C'est quoi la raison du ban Twitch? Je sais même plus. C'est parce que je vais dire une connerie là en soi. Donc du coup, je crois que c'était Violent Speech ou une connerie du genre.
Mais on a le droit de faire des câlins à Adolphe et tout comme ça là. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est moi je trouve que Staline a une plus belle moustache. Et ben on va rester là-dessus. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, goûter l'algorithme, nous jouons sur Kick ou sur Trovo sur YouTube ou sur Twitch ou sur Spotify ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux. Mon cher Madge, un avis. Qu'est-ce que ça fout sur Twitch? Déjà sur YouTube, c'est non, ce genre de truc, mais en plus en direct, bordel. Donc elle a pas été bannie, c'est ça? Ah bah non. Ah non. Y a pas de ban dans l'équation. Moi je te dis juste que ça c'est sur qui? Sur Twitch. Mais sinon, il y a pas de ban, hein. Tout va bien. Hein. Mais au moins c'est pas un Afghan qui porte un bonheur à ton. Ça doit être pour ça qu'elle est encore sur Twitch. Ah ouais, carrément. Tu crois que c'est le bonheur à ton et tout. D'accord, ok. Ouais, je comprends. La belle moustache de Staline. D'accord. Vous êtes parti sur Staline. Ok. Écoutez, bah on va rester là-dessus, hein, bien évidemment. C'est toujours aussi surprenant, la découverte d'Internet. Comment on fait pour couper cette merde? Rouge. Merci bien.